Salut les amis, c'est Ray Tanguy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu très spécial. Il s'agit de Appuyez-vous sur les boutons. Voilà, donc ce jeu, en fait, on va avoir une proposition, mais une autre chose. Et du coup, il va falloir choisir si on appuie ou pas sur le bouton. Donc, si on accepte ou pas. Alors, c'est parti, dilemme aléatoire. Je vais mettre juste là. Tu vas mettre la maîtresse du monde, mais Facebook n'existe plus. Ben, je m'en fous de Facebook. Par contre, être le maître d'un. Bah, ok. 80 personnes l'ont pressé. Voilà, après, on regarde combien de pourcentage de gens ont pressé ou pas. Et on va essayer d'être dans les personnes qui ont le plus voté pour le truc. Oh, j'avais peur d'un truc. Attendez, non. Ah. Voilà, du coup, tu peux voler, mais tu peux plus jouer à Candy Crush. Je m'en fiche, je joue pas de toute façon. Du coup, oh, 84. Ça prouve bien que tout le monde s'en fiche de Candy Crush. C'est parti, pour être qui tu veux, mais tu ne parleras que japonais. Oh, c'est mort. Voilà, 58,5%. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas changer la sonnerie de ton réveil et c'est Jules qui te réveille. Wesh alors. J'accepte. Voilà. Tu peux te téléporter et seulement de ton lit à ton canapé ou de ton canapé à la cuisine. Bah, je me téléporte. Voilà. Allez. Ah, pub. Gna, 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 gna. Vous pouvez pas voir. Vous pouvez pas voir. En plus, ce jeu, il est pourri. Tu seras l'acteur, l'actrice le plus connu sur Terre. Tu n'auras jamais d'Oscar. Je m'en fiche. Voilà, 74%. Tu peux pratiquer le travail dont tu rêves durant toute ta vie, mais tu devras travailler jusqu'à 66 ans. Bah, moi, je vais être vétérinaire. Je serai obligé de rester. Pourquoi 66? Bon, allez. Si c'est le rêve de notre vie, de toute façon, on s'en fiche de faire jusqu'à un certain âge. Tu as le pouvoir d'immortalité. Mais pas celui de l'invincibilité. Ça veut dire quoi? Je vais te dire sans façon. Je sais pas ce que ça veut dire en plus. Tu possèdes tous les pouvoirs d'un Jedi. Ok, sabre laser, force, sagesse, puissance. Tes parents basculent du côté obscur de la force et seul toi peux régler ça. Ah oh, non, 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 sans façon, sans façon. Quoi? Il y a vraiment des personnes qui voudraient être un Jedi et buter leurs parents? Oh, les salauds! Oh, tu pourras faire ce que tu veux, avoir tout ce que tu veux, mais tu devras regarder l'Eurovision dès que ça passera à la télévision. Non. Moi, j'aime pas le foot de toute façon. Tu pourras résoudre tous les problèmes, mais quand quelqu'un dira c'est impossible, tu réponds aussitôt. Mais si c'est possible avec la carte de Kiwi, de l'humour, c'est parti. Voilà. Tu auras tout énormément de chance, mais. Mais il y a une pub. Ah, en plus, elle est horrible. Ah, dégage. 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 Voilà. D'accord. Ça dégage. Voilà. Tu auras toujours énormément de chance, mais tu seras allergique à tous les fromages. Au revoir. Pourquoi j'y ai pas pressé? J'aurais bien aimé être énormément chanceux. Tu peux devenir le super-héros, la super-héros-héroïne que tu veux. À chaque fois que tu te transformeras, tu devras crier Hollande démission. Bah, je veux qu'il démissionne. Voilà. 85%. Tu peux te marier, je vais vérifier un truc, ok, ça filme. Tu peux te marier avec la personne que tu souhaites et elle t'aimera plus que tout jusqu'à sa mort. Mais avant, tu devras rouler une pelle à son sa meilleure amie. Bah d'accord. Voilà. Tu peux avoir de l'argent en claquant des doigts. Money, money, money. Mais tu devras quand même travailler. Bah, je m'en fiche, je vais faire vétérinaire et vu que c'est le job de mes rêves, allez. Money, 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 is that the richest land? Voilà. Tu as le pouvoir de sauver la vie d'une personne aux portes de la mort, mais une autre personne mourra aléatoirement dans le monde à sa place.
Oula. Ah, la question qui casse tout. Non. Voilà. Tu as le pouvoir de contrôler les liquides, mais tu ne peux plus rien toucher d'électrique. Est-ce que une tablette c'est électrique? Je veux dire sans façon. Voilà. Tu as le pouvoir de tuer tous les criminels de la Terre en un claquement de doigts, mais tu deviendras alors toi-même un criminel. Un criminel, tu devras donc te suicider. Bah, au moins s'il y a plus de criminels. Voilà. Quoi? 70 personnes l'ont pas fait? Oh non, pas encore cette coupe pourrie. Dégage! Dégage! Voilà. Allez. Voilà, ça dégage. Pas de pub. Tu auras le pouvoir de faire apparaître un personnage de jeu vidéo irréel. Irréel. Et ça doit être vraiment irréel. Donc, qui n'existe pas. Et de lui faire exécuter tout ce que tu veux. Mais ce personnage prendra la moitié de ton espérance de vie. Au revoir. Voilà. Oh, j'ai pas vu. Zut, je vérifie. Ok. Tu sais comment faire pour que la guerre s'arrête. Mais tu meurs à partir de 7 jours si tu as dit à au moins 5 personnes. Bah d'accord, je ne dis qu'à une personne. Tu peux manger autant que tu veux sans jamais grossir, mais tu auras constamment faim et manger n'y changera rien. Ah non, 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 non. Tu peux protéger à distance n'importe qui, mais pendant ce temps, tu es vulnérable. Bah de toute façon, même si je veux pas, je serai vulnérable. Du coup, j'appuie. Voilà. Le dernier, tu peux te transformer en qui tu veux, mais quand tu le fais, tu dois garder cette forme jusqu'à minuit. Pas d'accord. Voilà. Bon bah les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me lancer des défis. Par exemple, chaque fois que t'es avec ceux qui ont le moins, bah je sais pas, tu manges un bonbon ultra pimenté ou tu te mets une pince à linge, etc. etc. Du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir!